suite à la cérémonie d'adieu organisée à Mariama le jeudi dernier, le bataillon Hill 10 s'est envolé en Somalie à bord du MA-60 militaire des forces armées djiboutiennes en direction de Djalal Arsi pour relever le bataillon 8. Cet événement important fut placé sous l'égide du ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, M. Hassan Omar Mohamed, accompagné par le général de corps d'armée, le général Zakir Echir Ibrahim, chef d'état-major général des armées. Était aussi présent le général de brigade Tahar Ali Mohamed, le chef d'état-major de la Défense, le colonel-major Mohamed Qayad Gueley, le sous-chef d'état-major de la Défense, ainsi que le haut responsable des forces armées djiboutiennes. À son arrivée, le ministre de la Défense et le chef d'état-major général des armées ont passé en revue les premiers éléments du bataillon Hill 10. Fort d'une expérience de 10 bataillons déployés depuis 2012, la République de Djibouti a toujours soutenu son pays voisin, la Somalie, et les forces armées djiboutiennes fêtent cette année leur 12e anniversaire de projection. Il s'agit là aujourd'hui des premiers éléments de relève qui ont pris le chemin de Djalal Arsi avec à leur tête le chef de bataillon Hill 10, le commandant Mohamed Youssouf Riyad et son staff. Rappelons que cette opération de relève complexe nécessite une préparation minutieuse et va durer 2 semaines. Taliki kobani mada ugu biyo alankiyo arladu kiyir kaneye ina tahay awodi lagu arsanayay moqtahay askariyo hay awodi lagu arsanayay ma ogtahay askariyo asaski nabadiyo ababulihi gushi ambaqaad kinolashiyo ebadi dagaalkiyo indihi تغاي مو تغاي عسكري اساسكي نبضيو ابابو ليه بوشي ام بقاد كنولوشيو ابدي دقالكيو تغاي مو تغاي عسكري